Bonjour, bienvenue dans votre magazine Parabole. Est-ce que vous saviez que chaque année, il y avait une journée mondiale des réfugiés ? C'était le 20 juin dernier et à Strasbourg, cette journée a été élargie à une semaine complète. Alors c'était une semaine de conférences, de rencontres et d'échanges culinaires. Le but, c'est de changer le regard qu'on peut avoir sur les personnes réfugiées. Et à Parabole, on y était. Des dizaines de parapluies brandis comme le symbole de la protection qui doit être apportée à chaque personne réfugiée qui en a besoin. Ces parapluies déambulent dans le centre-ville, une procession joyeuse, direction le lieu d'Europe, pour le point d'orgue d'une semaine de manifestations, d'expositions d'art, de conférences et de rencontres culinaires. Des personnes de tous horizons se sont réunies autour des réfugiés venus en nombre pour cette grande fête qui leur est consacrée. Le but est de porter un regard différent sur les migrations forcées. C'est une semaine qui est basée sur cette philosophie, déconstruire les préjugés, changer le regard sur la migration, parler au grand public, donner la parole aussi aux personnes issues de la migration pour qu'elles expliquent leur parcours, qu'elles expliquent comment elles ressentent leur accueil et leur intégration aujourd'hui en France. Et je pense que du coup, ça crée des échanges plutôt riches et intéressants. Et si on a réussi à faire changer quelques avis, on sera très satisfait. Faire changer quelques avis, ça passe aussi par une information claire. L'ONU compte en 2018 71 millions de personnes à travers le monde qui ont dû fuir leur foyer. Sur ces 71 millions, 25 millions sont des réfugiés, dont pour la moitié des enfants. Mais le directeur du foyer Notre-Dame tient à mettre en regard ces chiffres avec la situation barinoise. En 2018, on a dénombré sur la plateforme d'accueil de demandeurs d'asile sur le Bas-Rhin un peu moins de 4000 personnes qui sont arrivées, qui se sont présentées. Et globalement, au terme de l'examen de la demande d'asile, on estime entre 25 et 30% le nombre de personnes qui vont obtenir soit une autorisation de séjour provisoire, soit le statut de réfugié. Soit environ un millier de personnes régularisées en 2018 dans le Bas-Rhin, pour une population de 2 millions d'habitants. Pour favoriser l'insertion de ces personnes qui s'installent sur notre territoire, des initiatives voient le jour. C'est le cas de l'association Makers for Change, portée par des citoyens, qui veut créer des rencontres entre les communautés. De manière plus spécifique, c'est d'accompagner des personnes qui ont des difficultés à trouver de l'emploi et des personnes issues de la migration forcée à trouver des opportunités et de pouvoir reconstruire localement une période de leur vie. L'insertion professionnelle et l'ouverture sur l'autre, c'est aussi le credo du Refugee Food Festival, mais à travers un élément commun à tous, la cuisine. La cuisine, c'est un moyen de communication et de création de liens qui est universel. Parce que, quelle que soit notre nationalité, notre origine, notre culture, on mange tous deux, trois fois par jour. Voilà, donc nous, on utilise la cuisine qui permet pas forcément d'utiliser le langage. En fait, on n'a pas besoin de mots pour cuisiner. On est juste les uns à côté des autres. On se montre, en fait, on échange à travers la gestuelle, à travers nos savoir-faire. Ça nous permet du coup de pouvoir valoriser les compétences des personnes réfugiées avec lesquelles on travaille et de contribuer aussi à changer notre perception et notre regard sur les personnes issues de la migration forcée. Pendant cette semaine-là, 8 restaurateurs de la ville et leur chef accueillent un cuisinier réfugié le temps d'un déjeuner ou même toute une semaine. C'est le cas de la vignette à la Robertso qui propose un menu syrien. On participe au Refugee Food Festival cette semaine. On a une chef syrienne, Fatema, qui est avec nous en cuisine. Donc elle nous fait le menu. Donc assiette de mezze, vous avez taboulé, caviar d'aubergine et moutabal. Et elle nous fait donc le chiche barak samosek. Donc c'est de l'agneau épicé qui est servi avec le menu. Un peu plus tôt en cuisine, le chef résident Michel Rush fait le point avec Fatema, une jeune femme syrienne qui a fui Alep en 2015. Moutabal, on est bon. Peut-être moutabal, il faudra faire demain. Oui. Depuis un peu plus d'un an, Fatema reconstruit sa vie à Strasbourg. Cette passionnée de pâtisserie intègre pour la semaine l'équipe du restaurant. Nous, on découvre une autre façon de travailler. Des techniques qu'on n'a pas l'habitude de faire, des produits qu'on ne travaille pas forcément non plus. Puis elle voit aussi comment ça se passe du coup dans notre cuisine. Et au début, elle était un peu surprise aussi parce qu'on n'a pas le même rythme de travail. Et ça va, c'est un échange.
C'est du partage, c'est la cuisine. Persil, deux fois ça encore ? Oui, s'il vous plaît. Deux fois ça ? Oui. Pour Fatema, si cette semaine est comme un stage accéléré, c'est surtout l'occasion de rencontrer du monde et d'échanger avec des collègues, même d'un jour. De quoi lutter contre la solitude et l'isolement auxquels sont confrontées les personnes réfugiées. Ça marche. La chef Michel, très 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 gentil, super gentil. Plus la croupe, j'ai bien aimé de participer avec dans le restaurant avec Michel, ça super chef, ça, oui, j'ai très content. Pour le chef Michel, comme l'appelle Fatema, cette rencontre lui permet de voir de nouvelles choses et d'élargir son arsenal culinaire. Mais plus encore, pour lui, les restaurateurs ont tout à gagner à se tourner vers les réfugiés. Je pense qu'il y a 60% des restaurateurs français qui cherchent du personnel. Tout le monde se plaint, dans les CFPA, on arrive de moins en moins à former des gens, c'est de plus en plus difficile. Et donc, en fait, on a juste des gens qui ont 40 ans, qui ont 20 ans d'expérience dans un autre pays, qui viennent d'arriver. Et qui clairement ont besoin et envie de travailler et ont des capacités plein les mains. Donc à un moment, je pense que voilà, la solution elle est double. Hein. À un moment, il faut s'ouvrir. C'est l'ouverture qui créera l'évolution. Richesse culturelle, mais aussi économique donc. Quoi qu'il en soit, en terrasse, les clients sont ravis. C'est vrai que l'entrée déjà était succulente avec ce houmous syrien. Et c'est vrai que j'étais aussi également surpris par le plat. Maintenant, attendons le dessert pour voir si on suit dans la lignée. Une bonne idée, surtout pour les gourmands comme moi. C'est vrai que c'est d'autant plus une bonne idée de commencer la découverte par la cuisine. C'est une autre manière de voir ce problème parce que les réfugiés, tout ce qui est associé, c'est plutôt... on a un regard qui est peut-être un petit peu méfiant. Découvrir leur culture autrement et passer par la cuisine, c'est une excellente idée. Ça nous permet de voir quelque chose de très positif et de changer peut-être notre regard également. Voir les choses positivement et changer le regard, le but semble atteint pour cette semaine des réfugiés. Rendez-vous avec les acteurs de cette semaine sur le marché de Noël de Strasbourg et en juin 2020 pour une nouvelle édition. Eh bien, rendez-vous est pris pour le prochain marché de Noël. On va voir dans le sujet qui suit que les personnes venues de l'étranger peuvent être une vraie richesse, non seulement pour notre pays, mais aussi pour l'Église. Le 30 juin dernier, Blaise Bacoulou a été ordonné prêtre ici, à la cathédrale de Strasbourg. Il vient de la République démocratique du Congo et il a été naturalisé français il y a quelques années. Nous étions à son ordination. On regarde. Les voûtes de la cathédrale de Strasbourg n'ont pas l'habitude d'entendre de tels cris de joie. C'est en l'honneur de Blaise Bacoulou qui vient d'être ordonné prêtre. Un peu plus tôt, l'ordination a commencé par l'appel et la présentation du candidat. Que celui qui va être ordonné prêtre s'avance. Blaise Bacoulou Madila est originaire de la République démocratique du Congo. J'ai commencé par une année de propédeutique en 2000. Et après mon année de propédeutique, j'ai eu à passer 3 ans de formation chez les jésuites. Et après ça, je fais encore une année de noviciat au Bénin. Et après cette année de noviciat, je suis tombé malade et suis rentré en famille pour 2 ans de repos. Et après, j'ai repris encore le chemin de la mission. Cette fois-ci, mes supérieurs m'ont envoyé au Togo pour 2 ans de stage en paroisse. Et après ces temps de stage, je suis allé en Côte d'Ivoire pour 3 ans du premier cycle de théologie. Et c'est en 2013 que je suis arrivé ici à Strasbourg pour mes études en théologie, pour un master en théologie. Et du coup, 3 ans de discernement, le diocèse de Strasbourg m'a admis en 4e année au sein du grand séminaire de Strasbourg. Le peuple chrétien a été consulté. Et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'il a été jugé digne d'être ordonné. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et Sauveur, nous le choisissons pour l'ordre des prêtres et nous rendons grâce à Dieu.
Après le temps des lectures, la liturgie d'ordination commence par la grande prière à tous les saints. Éternel, d'où vient toute grâce? Ô Seigneur, en pitié. Ô Seigneur, en pitié. L'ordination se poursuit par les deux moments essentiels présidés par l'évêque qui est le seul à pouvoir ordonner un prêtre. Tout d'abord, l'imposition des mains, geste qui remonte au temps des apôtres et que tous les prêtres, à la suite de l'évêque, vont accomplir. Puis vient la prière d'ordination dite par l'évêque, à laquelle tous les prêtres présents s'associent en étendant les mains en signe de bénédiction et de consécration. D'entrer dans l'ordre des prêtres, en communion avec nous, Seigneur, qu'il implore ta miséricorde pour le peuple qui lui est confié et pour l'humanité tout entière. Alors toutes les nations, rassemblées dans le Christ, seront transformées en l'unique peuple qui t'appartient et qui trouvera son achèvement dans ton royaume par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. C'est dans une émotion partagée que le nouveau prêtre rejoint sa famille dans la nef de la cathédrale. La célébration se termine au rythme de chants africains interprétés par une chorale strasbourgeoise. Nous bénissons le Seigneur. Nous bénissons l'Éternel en ce jour béni pour le frère Blaise. À la suite de la célébration, un verre de l'amitié est organisé. C'est là que Mgr Ravel explique le symbole que représente cette ordination d'un jeune Africain pour le diocèse de Strasbourg. Nous avons dans nos séminaires actuellement plus de 25% de jeunes ou moins jeunes séminaristes venus de pays étrangers. Alors on peut penser bien sûr aux pays africains, on peut penser au Vietnam, on peut penser à l'Amérique du Sud, on peut penser aussi à certains pays européens, aussi surprenant que cela puisse être. Donc ça signifie que c'est une réalité, là encore, qui est une véritable mutation. Ce n'est pas des Alsaciens pour l'Alsace, ce sont des Européens ou des Africains ou autres pour l'Alsace aujourd'hui, comme une sorte de revanche par rapport à ces Alsaciens qui partaient si nombreux à la première moitié du XXe siècle, irriguer le monde entier. Ce verre de l'amitié est l'occasion de féliciter le père Blaise et de demander la bénédiction de ce nouveau prêtre alsacien. La première des choses en m'incardinant dans ce diocèse, c'est d'approfondir l'histoire de l'évangile aussi en Alsace, découvrir la richesse de cette histoire et aussi voir comment est-ce que moi je peux mettre du mien dans cette histoire pour aider le peuple d'Alsace d'aller de l'avant et surtout à servir le Seigneur, à découvrir cette vie. Donc pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un travail d'inculturation dans cette culture qui m'accueille aujourd'hui et voir comment greffer la foi dans cette culture. Une acculturation que le père Blaise va pouvoir commencer à Colmar comme aumônier du collège épiscopal Saint-André et comme responsable de la pastorale des jeunes de la ville. Eh bien, ça fait beaucoup de travail en perspective tout ça. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.